Allez, on emménage. Voilà, on est arrivé dans cette nouvelle maison, les gars. Regardez, moi j'ai acheté ça. J'ai travaillé pendant que t'étais père au foyer. Allez, venez, on emménage. Et j'ai pas beaucoup de temps. Hein. Attends, qu'est-ce que j'ai... Tu peux me poser, s'il te plaît? Non, me jette pas dans le berceau, s'il te plaît. Chérie. Bien. Oui, une douche. Papa, j'ai besoin d'une douche. Je t'avais dit de faire les cartons, chérie. C'est quoi ça? Les cartons. Pourquoi ils sont pas défaits? Fais les cartons. Les cartons maintenant. Toi, donne. Allez, fais les cartons. Ça le gosse. C'est comme ça qu'on éduque un enfant. Mais... on a éduqué l'enfant comme ça. Écoute ce que mais ton attends, père a dit. Fais les cartons. C'est essentiel, papa et maman. Genre, c'est genre pourquoi j'en ai. J'ai ma mère avec les cheveux grosses. Et mon père il ressemble à Gambi. Alors, est-ce que t'es en train de discuter nos choix vestimentaires et notre style actuellement là? Ouais, j'ai mille fois plus de style que vous, clairement. Genre, tu vois ta tête là. Non, mais bah, déjà, fais les cartons. Ok, d'accord, c'est mais pas vrai, ouf. Tu me parles. C'est pas ouf, je le prends pas très bien, mais ok. Ah, parce que pourquoi les cartons ils font ma taille? Parce que t'es un bébé. Ok. T'es au grand, t'as un couteau dans le dos. Alors, est-ce que c'est normal que notre enfant, effectivement. A une hache et il a une hache, un couteau. Non, mais c'est du plastique, c'est non, le jouet qu'il non. a reçu pour Noël. Ouais, je les ai pas eu à Noël, je les ai eu à l'armerie. Je suis un daron exceptionnel, je me place dans le canapé et il me faut une bière. Femme, va me prendre une bière. Je cherche une bière. Alors, les toilettes, le petit verre. Tiens, chérie, c'est de l'eau bien fraîche. Alors, j'ai dit une bière. Eh bien, écoute, on n'a pas fait les courses, on vient d'emménager. Alors, on ira au Leclerc plus tard. En attendant, mais tu vas au Leclerc maintenant. Tu vas au Leclerc. Maman. Ta gueule, pourquoi les cartons sont vides? Ah, ça, j'ai pas très bien. Parce qu'on est pauvre, fils, on est pauvre. C'est des cartons vides pour faire genre devant les voisins qu'on avait plein de choses, mais en fait, on a rien du tout, fils, on est fauché. Ta mère, okay, je travaille pas assez. Comme si j'étais en crise d'insolence, je suis rentré. Effectivement, bon. Je ne travaille pas assez. Regarde, tiens, je t'éteins la lumière pour que tu fasses des cauchemars. Nous sommes, attends. Non, nous sommes trop. Ah, pourquoi tu me forces à. Ah, arrête de m'étrangler. Arrête de porter. Mais ne tue pas notre enfant, comment on va faire pour les allocations en fait. Arrête. Okay, ça c'était pas ouf, papa. Ça c'était vraiment pas ouf. J'ai pas très bien pris. Oh, de l'argent. Du coup, je me suis bien reposé. Tenez, de l'argent. Par contre, comment vous dire que j'ai une tâche à accomplir, venez. Ok, allons accomplir cette tâche, mère. Accomplir les tâches. Je crois que nous allons adopter un animal. Ce sera toujours mieux que notre fils, chérie. Alors, l'animal, il va pas être plus grand que moi, comme toute cette ville, parce que je t'avoue, c'est pas très cool, maman, ça. Et ce serait bien qu'on achète également une voiture, à un moment donné, j'en ai marre de marcher. Ça, c'est vrai, on n'est pas des pauvres. Bah si, on est des pauvres, mais oui. Chut, faut pas le dire, attention, il y a Franck qui va peut-être nous entendre, sinon. Papa, ta gueule. Pourquoi le cheval? Alors déjà, tu vas te calmer ou tu vas manger une tarte ou deux? C'est que t'es petit. Ah, là. Je me fais aspirer par la porte. Ah non, on m'a tiré. Ah, c'est maman qui m'a tiré. Maman a de me tirer dans les portes. C'est très bizarre. Allez. Ah, merde, y a père qui me kidnappe. Séparez-vous avec lui et prenez un homme riche dans votre vie. C'est vrai que ce serait une bonne alternative. Alors, je suis très riche, mais riche du cœur. Oh, y a mon ami Farouk qui m'envoie une invitation pour aller dans une partie. Eh bien, il serait partie. Peut-être temps que tu te fasses des amis. Parce que ok. Bon... Ok, bah attendez, je vais appeler. Attends, vais appeler mais. Farouk, non, va venir tu me peux chercher pas... devant la fils, crèche. Tu peux pas y aller, tu pues. Tu pues, fils, n'y va pas. Ah, allô, Farouk. Mais il pue. Il va aller à une partie alors qu'il pue. On va avoir une sale réputation dans cette ville. Vraiment, il y a Farouk qui m'a rejeté. Parce que je sens bah, que. C'est pas parce bon. Que tu pues, fils. C'est parce que tu pues. Est-ce que vous pouvez me cracher dessus pour que je prenne un bain? Enfin, une douche. Attends, mais au pire, lave-toi là-dedans. Oh. Elle s'est pas lavé les dents, c'est normal. Oh. C'est bon l'eau. Par contre, l'eau on est. On va te laver parce que ça ne va plus. Ok, tu alors. Pues. Oh mon dieu, mes narines. Je vous avoue, tu vas marcher prenez... parce que tu pues. Ouais, vous me prenez de force, c'est pas ouf. Papa. Ta gueule. Ça, je l'ai très mal pris, papa. Tu m'éduques mal, je vais finir comme un délinquant. Oh, chérie, je trouve que notre fils te répond quand même pas mal. Il serait temps que tu te fasses respecter dans cette famille. Je suis un rebelle de la société. C'est les hormones qui travaillent, chérie. Il a des hormones très tôt, hein, le bébé, hein. Tu es très viril, fils. Tu as une voix très virile. Merci. Ah, on va déjà aller dans le pet shop, parce que bon, avant d'acheter de la nourriture pour notre bébé, on va acheter de la nourriture pour nos animaux. Pour notre animal. C'est quand même plus intéressant. Bonjour. Ah, non, mais pourquoi vous me poussez vers la porte? Ah d'accord, je sens pas bon. Alors...
Mon père. Non, ta gueule. Mon père. Venez voir, s'il te plaît. Tu pues, hein. Regarde, il y a un cerf à trois têtes. Ah, et moi je peux boire. Ah, il est trop mimes. Attends, bouge pas, fils. Tu me l'achètes. Non, je bouge pas tant que tu me l'achètes pas. Tu me l'achètes. Écoute, attends. Oh, je voulais te nourrir avec les croquettes de chien, mais non, ça ne veut pas. Il est où mon argent? Ok, je suis pas assez riche. Maman, tu me l'achètes. Attends, il coûte combien? Tu m'achètes. Oh mon dieu, mais c'est. Mais c'est avec de l'argent vrai? Ah. Ça va pas ou quoi? Bonjour Anna. Oh, elle est très séduisante, Anna. Bien plus tard, sache que tu la soulèveras. Mais pas tout. Ah, est-ce que. Non, maman, pose-moi à côté d'Anna, s'il te plaît. Je veux voir Anna. Mais non. Ah, un fils, arrête de crier. Ah, la femme de ma vie. Ah, c'est sa première fois où son cœur est brisé. Je veux pas que tu fasses la même erreur que moi, fiston. Ah, ça c'est oh, la merde, clope, il a le Covid. Ah, tu veux une glace, fils? Ouais, moi je veux bien une glace. Eh ben, t'en auras pas. Une glace à la pistache. Parce que papa m'a appris de prendre des glaces à la pistache. Bonjour, madame. Bonjour. Elle est où la caisse, madame? Allez, vole-lui sa caisse, fils. Vole-lui sa caisse. Braque-le. Je cherche. Braque-le avec ta hache. Al, je suis sur vous. Je peux à tout moment vous faire mal, madame. Oh, toi. Papa, tu m'offres une glace? Papa, offre-moi ta glace. Ouf. Alors, laquelle de mes glaces? Preuve d'amour paternel. Oh, oui, papa, merci. Franchement, une très bonne boule. Alors, c'était pas papa, mais... Alors... Merci, papa. Je rêve, fiston. Cet enfant est indigne. Je suis assez déçu de mes parents. Mais tu es là juste pour les allocations. On s'en bat les couilles, que tu sois content ou pas. Ok. Bah moi je m'assis, ramenez-moi une pizza. Chérie, ramenez-moi une pizza. Alors, il a pas l'air de vouloir. Mais si, là regarde, tu te sers. Ah, tu te sers quand même. Je veux une base tomate avec du je sais pas quoi et du je sais pas quoi, du salami et du chorizo. Et ensuite, on le met au four. Voilà, c'est quand même un restaurant self-service où tu fais toi-même ta cuisine, hein. Maman? Oui? Y'a papa, il a dit qu'il fallait qu'on aille au magasin de voitures. Ok, allons-y. Combien? 400$. Il me faut plus d'allocations, là. Moi je veux celle-là. Papa, achète celle-là, s'il te plaît. Regarde, c'est confortable. C'est confortable, ma place. 1800$, fiston. S'il te plaît, achète, s'il te plaît. Moi je veux mon van. Je vais le transformer en studio. Ah ouais, trop bien. Attends. Eh bien, sachez que nous sommes pauvres, nous ne pouvons rien acheter actuellement. Même pas vélo, hein. Oh, Baby Shop. Baby Shop, c'est là. Où ça, Baby Shop? Là. Ah oui. C'est le Baby Shop, hein. Baby Shark, do-do-do-do-do, Baby Shark, do-do-do-do-do, Baby Shark. Baby Shark, do-do-do-do-do, Baby. Eh bien, bonjour, ma petite madame. Vous auriez pas des biberons en stock? Je veux du 5 ans d'âge, s'il vous plaît. Ah, merci, parfait. Fiston, veux-tu une sucette pour sucer? Il est où, fiston? Une poussette, ça coûte combien? 100$, celle-là, c'est moins cher. Vas-y, achète la poussette. Moi, j'ai acheté les biberons, achète la poussette. En quelle couleur? Bah, en rose, bien évidemment, pour la virilité de notre fils. Bien sûr. Où es-tu, cher enfant? Il est là. Ah oui, la poussette! Voilà. Ah, parfait. Là, je suis confortable. T'as vu, maman, j'ai percé. J'ai un chauffeur. Nous sommes vraiment une famille modèle dans cette ville, hein. Je dis ça, je ne dis rien. Regardez par rapport aux autres parents qui sont absolument inconscients. Ah, il y a une voiture qui vient. Aïe! Il y a une voiture qui vient littéralement qui de nous percuter, hein. Rentrons, c'est... Oula, il y a quelque chose de pas très net là qui se passe. Elle est vraiment bizarre cette dame. Au revoir madame. Au revoir. Allez, c'est une pré-adolescente. Ah oui. On vient quand même de pénétrer dans la maison d'une pré-adolescente. Ah, mais il m'a encore invité. Est-ce qu'on n'irait pas le voir un petit peu pour le calmer? Je pense qu'il fait un petit peu trop caïd. Qui? Hein, vouloir inviter tout le monde, Farouk, alors que c'est nous les plus populaires du quartier. Je ne connais pas de Farouk, pourtant il m'invite quand même parce que je suis très célèbre, mais... Où est-il, ce Farouk? Je sais pas, père. Je vais mettre 2-3 tartes
pour l'éduquer. Attendez, je regarde ma VTEC pour savoir où aller. On a la maison là, c'est la maison, chérie, c'est bon. Oui, c'est notre maison. Chérie, oui. Mets le petit dans la douche là, il pue. Oui, oui. Fils, oui, 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 oui. Alors fils, oui, oui. Moi, je m'assois, je oui. me repose quand même. Oui, oui. Allez. Et... Neuf va s'asseoir avec moi. Chérie, que fait encore le petit à courir et met son odeur corporelle dégueulasse partout dans cette maison. Veux-tu une voiture, fiston? Fiston, c'est incroyable. Fiston, est-il... Mais j'ai rattrapé le Rattrape-le Sinon maman, protège-moi. Oh. Maman, protège-moi. Oh. Maman, protège-moi. Maman, je vais protège. Un coup de maman, protège. Ah, il m'a pris par les cheveux. Mes locks. Lave-toi. Je rentre avec toi, mon cher... Non, alors... Ah, torche-lui bien les fesses, hein. Oh, mon affaire clou. Oh, où ça? Où ça? Où ça? Oh. Oh, le petit bébé, ça, qui fait ma taille, yes. Ok. Pourquoi t'as un chien et moi un chat? Moi j'ai eu un chien, yes. Maman, le pourquoi le chien me regarde bizarrement, il fait ma taille là. Maman, t'es la seule qui a pas dormi encore. Oh oui. C'est incroyable. Oh mon fils, essaye de m'étrangler. Aide-moi. Oui. Continue, fils. J'ai choqué dans mon lit. Alors, éduque ton fils, femme. Ta gueule. Où est ma babouche? Où est ma babouche? Non. Fils? Non, pas la babouche. Elle doit être encore dans les cartons. Non. Pas la babouche. Bon, pas la babouche. On va se laver ensemble. Non. On va aller dormir. C'était une bonne journée. Et bien sûr, moi je prends le lit, vous dormez par terre jusqu'à... Allez, moi je t'en règle le chat, allez. Un autre papa, lit. Tu peux pas rentrer, papa, tu peux pas rentrer. Ah, papa, il est dans mon perso. Il est en train de casser le perso. C'est un papa très proche de son fils. Bon, maman, j'aime désolé, hein. De mon enfant. Allez. Ah non, mais non. Pousse-toi, Junior. Mais le chien, là. Oula, à l'aide, moi je rentre dans mon berceau. Moi je me casse dans ma... Je suis ta mère sale. Merde. Moi je me casse dans mon berceau. Alors, mec. Ta gueule. Tu veux quoi? Ah mais attends, on est en train de parler là. Bah mais il m'a mute ou quoi ce... Tu as mute ta fille. Non je suis pas mute. Plus beau mon avatar Roblox. Ouais.